Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Nous vous souhaitons un joyeux Noël!
Joyeux Noël et que la paix de Dieu vous accompagne durant ces fêtes. Alors, on veut vous souhaiter un très joyeux Noël et une merveilleuse année 2023, que le Seigneur puisse vous couvrir de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, comme il le fait toujours, que vous puissiez abonder, prospérer avec lui, en lui, et par lui et pour lui, tout au long de cette nouvelle année, mais en tout cas, que ce Noël en soit un joyeux, un Noël rempli de bénédictions, que vos les promesses que l'Éternel vous a faites, ben, qu'ils puissent se réaliser. Puis si ce n'est pas fait encore, attendez-vous à ce que le Seigneur va le faire, parce que ses promesses sont oui et amen. Quand il nous promet quelque chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours, il va le faire. Attendez-le, attendez la manifestation. Et mon désir est que vous compreniez le sens réel de Noël, car Jésus est la raison de Noël. Amen. Amen. Sainte nuit, alléluia.
la familia Moreno García les deseamos una ¡Feliz Navidad! Desejamos a todos que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. Que todos tenham um Feliz Natal! Bon matin, Église Source de Vie. On vous souhaite un joyeux Noël. Merci, Seigneur, pour cette journée, car on se réjouit aujourd'hui. C'est un jour béni. Amen. Nous avons une bonne nouvelle pour vous ce matin qui se trouve dans la parole de Dieu. Un Sauveur nous est né. Nous allons voir ensemble dans Luc chapitre 2 au verset 10. Luc chapitre 2 au verset 10. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En effet, la parole nous dit que la Vierge enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Dans Luc, chapitre 1, au verset 32 et 33. Luc, chapitre 1, au verset 32 et 33. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin, n'aura point de fin. Comme il est écrit dans la parole, c'est un règne qui va durer éternellement, qui dure éternellement. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans la paix, dans la joie, Amen. Dans ces moments de partage, parce que Dieu est avec nous. Emmanuel, Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Il est avec toi ce matin. Il est avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Ne promène pas de regard inquiet, car la parole nous dit, car je suis avec toi. Emmanuel, Amen. Dieu est Amen. Avec toi. Dans Matthieu, chapitre 2, au verset 10, il est écrit, c'est l'histoire des rois mages. Quand les rois mages aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils furent saisis d'une très, très grande joie. Dans Ésaïe, Ésaïe nous appelle aussi à être dans cette joie ce matin. La joie du Seigneur. Nous savons tous que la joie du Seigneur est notre force. Dans Ésaïe 49, au verset 13, Dieu nous appelle à être dans la joie. Il nous dit que le ciel manifeste ta joie. Ciel manifeste ta joie. C'est la version courante, français courante. Ciel manifeste ta joie. Terre, émerveille-toi. Montagne, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple. Il redonne de l'espoir, il montre son amour aux humiliés. Il a pitié des malheureux. Dans 1 Chronique, chapitre 16, au verset 31. 1 Chronique 16, 31. Que les cieux se réjouissent, que le ciel se réjouisse, et que la terre soit dans l'allégresse. Que Amen. L'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, que l'Éternel règne. Nous pouvons dire et déclarer ensemble que l'Éternel règne dans notre Amen, maison, Amen. Règne dans nos vies, règne dans notre cœur, règne dans notre Église. Dieu veut régner, il s'est rapproché de nous pour venir régner, habiter dans notre cœur ce matin. Dans Jean, chapitre 10, au verset 9, Jésus nous dit, Jean, chapitre 10, au verset 9, c'est Jésus qui parle et il nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est une promesse pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu ce matin. Amen. Si vous nous écoutez ce matin, approprie-toi cette promesse, saisis cette promesse ce matin. Nous Amen. Savons que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Amen. Et nous avons un Sauveur, il est au milieu de toi ce matin, dans le nom de Jésus. Il est au milieu de toi. Alors, en cette fin d'année 2022, c'est l'espoir. Nous devons avoir l'espoir. Ne nous décourageons pas. Même si toute l'année, vous avez traversé épreuve par-dessus épreuve,
constamment, mais gardez espoir, parce que comme disait le pasteur Yoni, on se réjouit, car on a le Dieu de l'espérance avec nous. Dans le verset Romains 15, 13, c'est ce que nous allons déclarer pour vos vies, la vie de chacun de vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de vous en cette fin d'année. Que vous vous réjouissez, car un Sauveur nous est né. C'est Jésus. On élève Jésus aujourd'hui. On élève, on honore Jésus aujourd'hui. Car on sait que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si aujourd'hui vous êtes affaibli, si aujourd'hui vous êtes découragé, regardez à Jésus. Vous savez qu'il est là, vous savez que vous pouvez vous approcher de lui. Et il est la lumière qui va éclairer vos ténèbres. C'est pour ça que nous nous réjouissons. Nous sommes dans la joie aujourd'hui en ce 25 décembre, car nous croyons, nous continuons à croire en Jésus. Nous continuons à croire à ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui est notre Seigneur et qui va répandre l'amour dans les foyers, répandre l'amour dans les familles, répandre la réconciliation avec les familles. Donc merci Seigneur, merci. La parole nous dit dans Luc 2, 4, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, car Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux au monde, son Fils Jésus, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que nous nous réjouissons aujourd'hui. C'est pour ça que chaque croyant se réjouit aujourd'hui. Et vous qui avez reçu Jésus, vous êtes la lumière du monde. Donc vous aussi, vous pouvez répandre cette lumière autour de vous. Vous pouvez répandre cette lumière à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc c'est vraiment ça qu'on vous donne de faire aujourd'hui, en ce jour de 25 décembre, de vraiment répandre l'amour de Dieu dans la vie de chacun. Donc réjouissez-vous aujourd'hui, car un Sauveur nous est né. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, que la paix et l'amour soient notre partage. Amen. Amen. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. May the blessing of joy abide within you. May the blessing of peace rest upon you. May the blessing of love flow out through you. May all the blessings of the Lord be yours through Christmas and the new year. Merry Christmas! From Judy Christie and the Legate family. Nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Jésus bénit tout. Et nous souhaitons une joyeuse Noël, l'île Maurice. Oui. Joyeux Noël et bonne année à tous qui vont dire remplis tout avec beaucoup de bénédictions et l'amour et la paix. Voilà. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
Data ndabifuje Noel nziza muisangire mu izina rya Yesu. Joy Noel. Awatakia Noel njema wakati wote. Asante. Yabebo yamu dindi yabedo Yesu Kristo. Langwandi nyweni yabebo yamu butemu. Dans cette journée, le Seigneur vous fortifie, il vous aime, vous êtes des créatures merveilleuses. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Toute la famille Gontier, on s'est réunis pour vous souhaiter un joyeux Noël. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Joyeux Noël à Nous y aimons toutes.